Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est une triste émission puisque on va parler de la reine Elisabeth II qui a rejoint le royaume des cieux et on va essayer d'évoquer sa vie, son histoire, les bons et les mauvais côtés, parce qu'on n'a pas de raison d'escamoter ce qui fut mauvais, ni d'oublier ce qui fut bon. Alors, grand moment d'émotion, effectivement, en Angleterre, mais aussi en Europe, dans le reste du monde. Mais vous, monsieur le député européen, quel souvenir gardez-vous de la reine ? D'abord, je dirais, pour être honnête, qu'elle a bien vécu. Oui, longuement vécu. Et qu'elle a été bénie des dieux. Alors, ce qui est extraordinaire quand on parle de la reine Elisabeth, c'est qu'on avait des souvenirs d'elle avant même que l'on ait besoin d'avoir à se souvenir. Elle est créatrice, tout au long de son histoire, de souvenirs, alors même que on n'avait pas à se souvenir d'elle puisqu'elle était là. Et c'est ce qui fait l'extraordinaire particularité de ce voyage qu'elle a accompli dans l'histoire du XXe et du XXIe siècle. Mais d'abord, avant de se souvenir, de toute manière, on ne se souviendra pas parce qu'elle est du présent, puisqu'elle a continuellement vécu dans l'actualité et qu'elle a en quelque sorte transcendé l'actualité au point d'en faire de l'histoire immédiate, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Si on regarde autour de nous, quels sont les personnages qui, dans l'immédiateté de leur vie, fabriquent de l'histoire ? Il n'y en a pas beaucoup entre nous. Alors elle est née en 1926. Ça nous ramène quand même loin dans le temps. Poirot venait pas encore de naître. Il était belge, Poirot. Né sous le signe. Il n'était pas anglais, attention. Sous le règne de Georges V. Elle est née sous le règne de Georges V. Et son père fut le roi, évidemment, Georges VI. Mais attention, Georges VI, ce n'est pas n'importe quel roi. Ce n'est pas n'importe quel personnage. Vous avez peut-être vu le film, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir, Le discours d'un roi. C'est l'histoire de ce roi d'Angleterre qui a des difficultés à prendre la parole, qui a des difficultés à articuler, qui a besoin d'aller travailler avec un orthophoniste parce qu'il lui faut prononcer le grand discours de la guerre pour mobiliser le peuple d'Angleterre. Et elle va être la fille, l'héritière de cet homme qui, par amour de son peuple, va réussir à surmonter de telles difficultés. Elle va être soumise à un moment donné, alors qu'elle est toute petite, elle a 2 ans, elle va être soumise au regard perspicace d'un homme terrible, énorme, Winston Churchill. Elle a 2 ans. Elle est toute petite, bien évidemment. Bon. Lui, il a beau avoir la tête d'un poupon, il est quand même un sacré personnage. Et écoutez ce qu'il dit d'elle. Ça montre à quel point Churchill est perspicace. C'est un personnage, dit-il. Elle a un air d'autorité, c'est vrai, dont elle ne se départira jamais, et qui est un air naturel. Elle n'est pas guindée dans l'autorité comme quelqu'un, je ne ferai pas de polémique, puisqu'on est dans une question de tristesse. Mais bon, on en voit quelques-uns qui se tiennent droit parce qu'ils ne peuvent pas se tenir droit, et qui se montent du col parce que le col est faux. Bon, elle, non. Elle a un air d'autorité naturel. Et il ajoute, Churchill, un caractère réfléchi. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle donnait constamment l'impression que son propos était pesé au trébuchet
du bon sens et de la réflexion. Stupéfiant, ajoute-t-il, chez une jeune enfant. Il ne s'était pas beaucoup trompé. Il ne s'était pas beaucoup trompé. Bon, à 14 ans, je ne sais pas si vous auriez pu, vous direz, vous n'êtes pas reine du plateau, mais vous n'êtes pas reine d'Angleterre. À 14 ans, vous vous rendez compte, elle a prononcé son premier discours en pleine guerre, alors que l'Angleterre est bombardée, alors que le ciel d'Angleterre est déchiré par les affrontements entre les aviateurs anglais et les aviateurs allemands. C'est la fameuse bataille d'Angleterre, où un Français, du reste, Pierre Klostermann, se signalera comme un pilote héroïque. Elle prononce un discours pour les enfants évacués de Londres, parce que les enfants reçoivent les bombes, parce que les enfants souffrent, parce que les enfants meurent, et on les évacue pour qu'ils ne périssent pas sous les décombres. Elle va s'engager dans l'armée. Elle n'est pas planquée. Grande patriote. Elle va entrer dans l'armée britannique comme mécanicienne. Et elle sera mécanicienne toute sa vie. Elle ne rechignera pas à mettre les mains dans le cambouis quand il le faudra pour réparer un moteur. Et elle va être également apprentie. Modestie, humilité. Elle a beau être la future reine, elle est apprentie conductrice d'ambulance. C'est pas rien, non ? Non. On dira, toute sa vie, elle aimera conduire. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Donc, c'était en 1998. Et donc, elle recevait le prince héritier Abdallah, futur roi d'Arabie Saoudite. Oui, un homme qui n'était pas du tout masochiste. Non, pas, misogyne, vous voulez dire. Misogyne, je veux dire, oui. Donc, oui. Elle s'empare... Il était peut-être masochiste, du reste. Elle s'empare du volant de la voiture dans laquelle il était, il attendait. Et les femmes, à l'époque, en Arabie Saoudite, n'étaient pas autorisées à conduire. Non, elles le sont aujourd'hui. Oui, je crois, maintenant. Depuis récemment, je pense. Oui, voilà. Et donc, il est devenu nerveux en voyant qu'elle prenait le volant. Et surtout, déjà, ça a dû le surprendre qu'une femme conduise. Voilà. Déjà, ça a dû le surprendre qu'une femme fût reine. Qu'une femme fût reine. Ah, fût reine, oui, bien sûr. Fût reine. Concordance des temps. Oui, voilà. Et effectivement, après, elle a appuyé sur le champignon, et donc là, il est devenu encore plus nerveux, et il a imploré de ralentir. Quand elle a appuyé sur le champignon, il a cru qu'il était dans un moment hallucinogène. Voilà. Vous vous rendez compte, le prince d'Arabie Saoudite conduit à toute vitesse par la reine d'Angleterre. Voilà. C'est presque une scène. Petit... Mais du reste, dans le film qui lui est... dans la série... qui lui a été consacré, il y a une scène qui raconte cette histoire. Sur Netflix, oui. Alors, il y a un grand moment aussi qui prouve, qui révèle le fondement de son engagement. Elle est en Afrique du Sud. Elle a beaucoup voyagé. Oui. Beaucoup voyagé. Elle est allée partout dans le monde. Elle a dit ce qui est pour elle sa vocation. Je consacrerai toute ma vie à votre service. Je rappelle au passage que la devise des rois de France, c'était servir. Oui. Bon, maintenant, c'est un peu se servir. Mais du temps des rois, qui se servaient aussi un peu au passage, c'était quand même servir. Et c'est la plus belle définition que l'on puisse donner de la politique, servir. Alors, le 2 juin 1953, qu'est-ce qui se passe ? Couronnement. Le couronnement, c'est-à-dire le grand moment royal. On a images qui sont commentées par un homme qu'on a oublié, mais qui a été un journaliste culte, Léon Zitrone. Il était spécialisé dans les courses hippiques, du reste. Oui. Mais il commentait, oui, mais je le sais parce que mon père était un turfiste. La reine étant grande amatrice, effectivement, de chevaux. Et la reine était grande amatrice de chevaux. Bon, donc mon père, qui était un turfiste, était passionné par Léon Zitrone. Mais il commentait aussi, non seulement les courses hippiques, mais les grands événements historiques, les couronnements, les enterrements. Et regardez, on a, je crois, des images qui nous montrent le couronnement de la reine après coup. C'est un commentaire sur des images anciennes. Écoutez ce Léon Zitrone, il va dire des choses
bien plus intéressante que Roland Barthes dans Mythologie. C'est très... Non, non, mais c'est vrai. Oui, Barthes, oui, oui. Il a écrit, mais bon, c'est Roland Barthes. Là, c'est du Léon Zitrone, mais il y a des moments où un Léon Zitrone voit un Roland Barthes. C'est du vrai. Voilà. On mesure toute la portée symbolique qui revêt, au-delà de la chose politique, la personnalité de la reine. Franchement, je ne veux pas être désobligeant. J'aime la République. Je l'aime beaucoup. Mais la marche de Jupiter, à côté du couronnement de la reine Élisabeth, vous me direz, De Gaulle. Il avait un couronnement historique, lui. Et il n'avait pas besoin d'être couronné. Parce que, comme Malraux a pu le dire plusieurs fois, il était l'histoire. Et Élisabeth, au-delà de son couronnement, fut l'histoire. Du reste, oui, j'ai une question de Thierry qui vous dit « Bonsoir, Maître Collard. Depuis son accès au trône d'Angleterre en 1952, on peut dire que la reine aura rencontré tous les plus grands chefs d'État du XXe siècle et certains du XXIe. Mais quels furent ses rapports avec le général de Gaulle ?» Oui, alors... Il ne faut quand même pas oublier que le général de Gaulle a entretenu des relations très, très amicales et très inamicales avec Churchill pendant la guerre, puisqu'il était à Londres. Les relations qu'il a entretenues avec la reine d'Angleterre étaient très bonnes. C'était la relation d'un homme d'État qui était à la hauteur, voire même qui peut-être dépassait. Oui. La hauteur, au sens symbolique du terme, de la monarchie. Donc, il n'avait pas de complexe d'infériorité. Et on peut dire que quand le président de la République était à côté de la reine d'Angleterre, on avait l'impression qu'il y avait là le roi de France. Mmh. Ouais. Alors c'est ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'à côté du rôle symbolique, écrasant, magnifique comme un feu d'artifice, il y a un rôle politique. Ah oui, j'allais vous poser la question. Mais un rôle politique qui est transporté par le rôle symbolique, ce qui montre à quel point la symbolique est importante dans la vie et que nous crevons de ne pas avoir de dimension symbolique dans cette politique d'aujourd'hui, parce que d'abord, les hommes qui sont élus à la présidence de la République n'ont pas d'histoire. Hollande, il a l'histoire d'un garde-champêtre. Bon, Macron, il a l'histoire d'un chéquier. Bon, ils n'ont pas d'incarnation historique. Mais la reine d'Angleterre, elle avait terrible temps du passé. Elle avait un rôle politique qu'aura le roi, son fils Charles. Par exemple, tous les mardis, elle recevait, je ne sais pas si c'était pour prendre le thé ou pour boire le whisky, le premier ou la première ministre. Oh, c'était pour échanger sur les sujets. Mais ils échangeaient sur tous les sujets politiques. Donc cette reine, qui était tenue à une obligation de neutralité, en même temps, elle est présente dans la vie politique. Mais d'ailleurs, elle avait rencontré Liz Truss, la nouvelle bien sûr. Ministre, hein, 16e de son règne. Mais c'est la règle, oui. Ça fait partie de la règle. Elle était aussi, et son fils va l'être, le chef de l'Église anglicane. Ce n'est pas rien. Et il y avait tous les ans la lecture du discours du trône. Et elle nomme, en apparence du moins, le Premier ministre, et elle était chef du Commonwealth. Donc, malgré le devoir de neutralité qui lui était imposé et qui sera imposé à son fils Charles, dont on dit qu'il veut rénover un peu la fonction, mais comment rénover une fonction qui ne tient que par l'effet millénaire des siècles ? On peut toujours rénover, bien sûr, mais l'essence même ne sera pas rénovée parce que c'est elle qui fait la durée. Et ce devoir de neutralité, elle le respecte, mais parfois,
Alors, vous pensez peut-être au Brexit, Eh hein, oui. parce qu'effectivement, on s'est souvent posé la question de savoir quelle était sa position sur ce sujet, sur l'Europe. Alors, elle a été très discrète, bien évidemment, puisqu'elle a ce devoir de neutralité qui l'empêche de prendre position officiellement, mais on savait, on disait dans les couloirs du palais qu'elle était assez favorable au Brexit. En tout cas, quand Les tabloïds aussi, hein, les tabloïds, bien sûr, oui. Wilson, En tout cas, quand le Brexit a été voté, elle a fait un discours pour oui. le soutenir tout à fait officiellement. D'ailleurs, je vous propose de l'écouter, Volontiers. hein. Lords and members of the House of Commons, my government's priority has always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of October. My government intends to work towards a new partnership with the European Union based on free trade and friendly cooperation. As the United Kingdom leaves the European Union, my government will ensure that it continues to play a leading role in global affairs, defending its interests and promoting its values. Alors, moi, il y a quand même aussi une question que je me pose, c'est comment est-ce que vous expliquez cet engouement des Français pour la royauté britannique? Alors qu'il s'agisse de la disparition tragique de Diana ou du décès de la reine d'Angleterre ou du couronnement du futur roi, les Français se passionnent pour la monarchie et plus particulièrement pour la monarchie anglaise. Il faut dire que les liens historiques entre la France et l'Angleterre sont très forts, même si on s'est constamment querellé. Ouais, ça remonte au moins à Guillaume le Conquérant. Ça remonte à Guillaume le Conquérant, oui, mais il y a beaucoup de mots anglais qui viennent du français, du reste. On l'ignore souvent, mais c'est une réalité linguistique. Bon. En 2016, il y a eu un sondage. Vous allez voir à quel point il est intéressant. On avait demandé aux Français s'ils étaient prêts à voter pour un candidat royaliste. Certes, encore faudrait-il qu'il y ait un candidat royaliste. Les royalistes en France ne s'accordant pas sur un candidat. Eh bien, un Français sur trois a répondu qu'il était disposé à voter pour un candidat royaliste. Oui, ça vaudrait la Alors, peine de allez. refaire le sondage d'ailleurs. Alors, moi, je serais très intéressé Curieux. de voir ce qu'un nouveau Ouais. sondage pourrait donner. Bon, il n'y a pas de candidat royaliste. Il n'y a pas d'entente entre les royalistes. Bon, donc la République n'est pas en danger électoral. D'autant que le candidat royaliste ne pourrait être élu qu'à la présidence de la République, ce qui est un véritable oxymore politique. Mais si on réfléchit bien, et on va réfléchir ensemble, parce que c'est effectivement passionnant de voir cet engouement, cette émotion, cet attachement. Je pense qu'il y a dans ce comportement un air de nostalgie. On est nostalgique de cette grandeur, Du de faste. cette... Non, c'est pas que le faste, non, c'est la transcendance. Il y a quelque chose de transcendantal dans la cérémonie, dans le sacre, dans le couronnement. On touche à quelque chose qui dépasse la laïcité, la vie quotidienne. Il y a un acte sacré. C'est le sacre. Et ça nous manque. On est nostalgique. Et quand on peut tourner nos regards vers l'Angleterre et voir tout ce peuple qui est finalement aussi moderne, sinon plus moderne que nous, et qui n'a de leçons à recevoir de personne, et qu'on voit ce peuple capable d'entrer dans la transcendance, on est nostalgique, je crois. C'est un élément que je donne. Et puis, il y a aussi la curiosité. C'est un spectacle, quoi. C'est un Oui, spectacle. d'ailleurs, c'est vrai, on l'a vu avec les diffusions de grands événements de la famille royale. Hein. Vous disiez tout à l'heure, Lady Diana, bon, ses funérailles, c'était un Français sur deux qui a regardé la Bien télévision. sûr, parce que il y a une curiosité qui n'est pas du tout malsaine, qui est esthétique, qui est historique, qui est architecturale et qui touche
à quelque chose de l'inconscient des peuples. On ne veut plus l'admettre aujourd'hui parce qu'on est dans la banalité des choses. Mais l'être humain a besoin de symboles. Il a besoin de symboles. Or, aujourd'hui, on la prive. Et puis, la monarchie anglaise, dans la personne de la reine, quelles que soient les critiques qu'on puisse lui adresser, parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas à l'abri des critiques, elle a eu une vie humaine avec des hauts et des bas, des éclairages, des nocturnes, tout ce qui fait la vie. Mais elle est au-delà des partis politiques, par son obligation de neutralité, elle est dans l'idée d'unité. C'est ça. Ce dont nous avons besoin plus que de tout. Elle est l'idée même d'unité. Et elle offre ce cadeau extraordinaire de la durée historique. Elle a traversé le temps tel qu'en elle-même le couronnement l'avait sacré, cheminant dans l'histoire, marquant ses pas dans l'histoire et laissant l'empreinte historique sur chaque événement de son pas royal. Rendez-vous compte que le président de la République, Vincent Auriol, dont le nom ne dira plus rien à personne, c'est dire à quel point passent les présidents. 1947, j'étais même pas né, paf, l'a connu. Que De Gaulle l'a connu, que le président Coty, avant De Gaulle, a reçu la reine d'Angleterre, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Allez, ils sont tous passés les uns après les autres. La ribambelle de nos présidents, à l'exception de De Gaulle, se sont tous poussés les uns les autres, tandis que la reine perdurait dans sa majesté. Oui, c'est vrai, ça fait une belle histoire. Et c'est pour ça que, au moment où l'incarnation de cette histoire disparaît, dans toute l'Europe, il y a une émotion. Ursula von der Leyen qui sera oubliée demain. Je suis sûr que si on demandait dans un questionnaire quel était le nom du précédent président de la Commission européenne, personne ne le saurait. C'est certain. Vous savez-vous ? Non. Voilà, bon. Eh bien, elle a pris la peine de rendre hommage à la reine d'Angleterre. Hein. Voilà, on voit son message, c'est avec une profonde tristesse. Bien évidemment, la tristesse est toujours profonde. C'est ça. Que j'ai appris le décès de Sa Majesté la reine Elisabeth II. Elle était la plus ancienne chef d'État au monde et l'une des personnalités les plus respectées au monde. Oui, elle le méritait. C'est horrible. J'offre mes sincères condoléances à la famille. Non, mais voyez, la vulgarité du truc, quoi. Bon. Et puis, la présidente du Parlement européen aussi a présenté ses condoléances. Voilà, bon. Et puis, le président du Conseil européen aussi a présenté ses condoléances. Voilà. Charles Michel. Oui. Son règne a couvert presque tout l'arc de l'intégration européenne. Tu parles ? Ah oui. Ils sont cassés. Non, non, bon. Nous nous souviendrons toujours de sa contribution à la réconciliation entre nos nations après la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Elle a vécu les ravages de la Seconde Guerre mondiale et connaît l'importance de la confiance et de la coopération entre nos pays. Bien sûr, mais enfin quand même, les Anglais ont quitté l'Union européenne. Oui. Voilà, mais ça veut dire quelque chose. Bon, c'est dit vulgairement, c'est dit dans le pathos qu'ils utilisent aujourd'hui, mais c'est l'hommage de l'Union européenne à la reine d'un pays qui a quitté l'Union européenne. Mais quand on a une souveraine ou un souverain, on veut être un peuple souverain. C'est certain. J'ai une question de Thierry à propos de cette nostalgie des Français. Est-ce qu'elle ne vient pas du fait que nos chefs d'État, depuis plus de 40 ans, ont abandonné la grandeur de la France ? Oui, bien sûr. Mais ils l'ont abandonné non seulement institutionnellement, mais ils l'ont abandonné moralement et physiquement. Et le peuple, dans sa puissance de pénétration, s'en rend compte.
ils sont petits, tout petits. Ils font du spectacle. C'est un music-hall. Et les gens s'en rendent compte. Bon, regardez, si on essaye de caractériser ce qui fait l'authenticité d'Élisabeth II, qui mériterait des critiques, on pourrait parler de son comportement vis-à-vis de Diana. Hein. Elle a un peu rectifié. Moi, j'aime bien la voir, hein, parce qu'elle mérite qu'on se souvienne d'elle. Par la suite, elle a rectifié son comportement. C'est vrai, elle a essayé elle de... Elle est même rentrée dans une nouvelle ère élisabéthaine, plus moderne, plus proche des gens. Oui, non, mais elle a fait un effort sur elle-même. Mais elle offre l'efficace et le solennel, la reine. L'efficace, c'est le politique. Le solennel, c'est toute cette dimension symbolique qui permet à l'être d'avoir une dimension spirituelle. Et puis surtout, la grandeur d'un chef d'État, la grandeur d'un homme ou d'une femme de pouvoir, mais qu'il soit roi, préfet, juge, journaliste, chef de parti politique, c'est l'humilité, l'humilité. Cette reine a toujours fait preuve d'une grande humilité. On a une scène anecdotique, mais qui en dit long. Je l'appelle la scène du parapluie. Ah. C'est quand on voit la reine d'Angleterre tenir son parapluie, tandis que la reine des embouteillages, la reine des rats dans la capitale, la reine du désordre dans Paris, fait porter, elle, le parapluie, comme si elle était des années en arrière. Voilà. Marqué, d'un côté, et regardez Hollande qui Hollande, lui, il n'a même pas de parapluie. Et lui, puis, il fait pas preuve de galanterie. Il aurait pu porter le parapluie de la reine. Oui, mais il portait tellement de choses que je n'allais pas lui mettre un parapluie. Et poids sur les épaules. Voilà, oui. L'humilité. Non, mais c'est, vous prenez toute l'histoire de la reine d'Angleterre. Il y a le voisinage paradoxal, mais effarant et époustouflant de la dignité et de l'humilité. Je veux dire que pour arriver à réunir à la fois la dignité et l'humilité, il faut être grand. Mais vous oubliez aussi une autre qualité, c'est l'humour. Oui, il paraît qu'elle avait de l'humour. Elle avait beaucoup d'humour. Mais de l'humour anglais, quoi, c'est ça. Voilà, et so British. Et j'ai une petite vidéo surprise pour vous. Ah. So et oui, cute, comme diraient les Anglais. C'était pour ses 70 ans. Oui, il a fallu 70 ans de règne. Oui. Le jubilé. Cet été. Moi, je considère que l'humour fait partie de l'humilité. Oui, tout à fait. L'humour est l'atelier de l'humilité. D'abord, l'humour qui consiste à se moquer de soi-même. C'est un peu ce qu'elle fait, là. Dernière question, peut-être, de Raymond. Et maintenant, que va-t-il se passer? La reine est morte, vive le roi. C'est la grandeur de l'institution. La monarchie ne meurt pas, elle se perpétue, elle continue, et Charles va assumer le poids de la couronne. Souhaitons-lui d'en être digne et de maintenir la tradition comme il se doit. Longue vie au roi. Mais merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Oui. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur le tout dernier Getter. Et puis vous nous envoyez vos infos. Voilà, on compte sur vous la semaine prochaine. Bon week-end à vous. Longue vie au roi. Quand même, me craignant mes discours, la tricoserie tous les jours. Me crier anathème, me crier anathème. Je répondrai et nos forfaits les poursuivrai d'un bon français. Vive le roi quand même, vive le roi, vive le roi. Vive le roi quand même, vive le roi, vive le roi. Quand même un glaive seul au bras de Condé, je suivrai les pas. L'honneur est d'Angoulême, l'honneur est d'Angoulême. Sans feu, sans gîte, et même à jeun, je dirai encore à chacun. Vive le roi quand même, vive le roi, vive le roi. Vive le roi quand même, vive le roi, vive le roi. Quand même, en voulant sa grandeur du roi, je perdrai la faveur. C'est bien d'un prix extrême, c'est bien d'un prix extrême.
plus royaliste que le roi, je dirais satisfait de moi. Vive le roi quand même, vive le roi, vive le roi, vive le roi quand même, vive le roi, vive le roi. Quand même il me faudrait périr, oh mon roi, pour mieux affermir ton brillant diadème, ton brillant diadème. En mourant pour le fils d'Henri, je dirais avec bêtisie, vive le roi quand même, vive le roi, vive le roi, vive le roi quand même, vive le roi, vive le roi. Quand même, craignant mes discours, les trigoseraient tous les jours, me crier anathème, me crier anathème. Je répondrai et nos forfaits les poursuivrai d'un bon français. Vive le roi quand même, vive le roi, vive le roi, vive le roi quand même, vive le roi, vive le roi. Quand même un glaive seul au bras de Condé, je suivrai les pas, l'honneur est d'Angoulême, l'honneur est d'Angoulême. Sans feu, sans gîte et même à jeun, je dirais encore à chacun, vive le roi quand même, vive le roi, vive le roi, vive le roi quand même, vive le roi, vive le roi. Quand même en voulant sa grandeur du roi, je perdrai la faveur, c'est bien d'un prix extrême, c'est bien d'un prix extrême. Plus royaliste que le roi, je dirais satisfait de moi. Vive le roi quand même, vive le roi, vive le roi, vive le roi quand même, vive le roi, vive le roi. Quand même il me faudrait périr, oh mon roi, pour mieux affermir ton brillant diadème.